Buonasera. Buonasera. Sì, possiamo cominciare, no? Gianpaolo doveva fare l'introduzione, no? Sì. E così ci ha detto Don Bettino, noi stiamo aspettando. Non so se Gianpaolo è pronto. Ok, un attimo. Bene. Ehi, Bertè. Sì. Sì, scusami, perché quando ti avevo mandato il messaggio, volevo dirti che no, non ci sarò, ma mi sono dimenticato perché sono in portineria e stavo ancora con alcuni a parlare, perché dovevamo risolvere qualcosa. Sì. Sì, sono qui per sostituire Caius, Va bene. perché è andato a benedire la casa, quindi è per quello. Ok, però stavamo aspettando, va bene. Sì, mi dispiace perché quando te l'ho mandato ero un po' messo in fare altre cose, non ho neanche guardato più telefono. Va bene, chiudo io. Ok, benvenuti a tutti. Iniziamo chiudendo, scusa per questo ritardo nell'iniziare questo incontro di studio. Ci è stato qualche problema di comunicazione. Allora, grazie già per la presenza.
Et aujourd'hui, continuons le studio sur l'opéra de Nkrumah. L'Afrique deve unirsi. E siamo nei capitoli 15 e 16. L'unité africaine et tentative d'unification. L'unité africaine et les tentatives d'union. Et qui sera présentato da nostro fratello Don Cleofas. E Don Daniel aiuterà per la traduzione in inglese. Allora, Cleofas, hai la parola. Merci beaucoup, Don Bertin, et à tous les participants. Je suis à côté de Don Daniel Omato qui a accepté. Et prochainement, il y a Mialeto qui sera con noi. Ogni giorno qui a vraiment incontri e contento e sta venendo ce che facciamo. Sarà con noi prochainement. Alors, et comme c'est annoncé, nous allons parler de. Nous continuons l'œuvre de Kwame Nkrumah, le chapitre 15 et le chapitre 16. Et Kwame Nkrumah, comme vous voyez le tableau qui se présente devant vous, il parle de l'Afrique, il parle vraiment dans ces deux chapitres ici, c'est centré sur l'unité africaine, tentative d'unité et l'unité. Et comment est-ce que lui comprend cette unité ici? Et voilà comment puisque nous allons essayer un peu d'entrer dans ces deux chapitres et comprendre ce qu'il nous a proposé. Alors, pour commencer, pour Kwame Nkrumah, majoritairement, l'Afrique est pauvre. Dans sa pauvreté, souvent elle est sans voix. En étant sans voix, alors les gens se retrouvent à côté ou loin, soit dans la diaspora, ou soit amis de l'Afrique qui parlent au nom de l'Afrique, alors que les Africains eux-mêmes, peut-être qu'ils ne connaissent même pas, ils ne savent pas ce sur quoi on parle d'eux. C'est ce qu'il est en train de nous dire déjà à l'introduction ici. Et c'est de manière unilatérale que ces gens-là prennent la parole au nom des Africains. Ça, c'est un peu pour commencer, ce que dit Kwame For introduction, we're talking about Kwame Nkrumah, especially the 15th and 16th chapter of his work, African Unity. And the introduction is that mostly in African countries, the African countries see themselves as poor and voiceless. So it's calling on the need of inclusion of a unilateral union between African nations and citizens. Et alors, pour Kwame Nkrumah, cela s'est fait voir même à travers les institutions, qu'elles soient au niveau international ou au niveau régional, au niveau du continent. Et on peut même parler des Africains, des institutions africaines d'appui à la démocratie ou d'appui à l'économie, qui prennent la parole, évidemment, dans le but d'aider les Africains, mais des fois, les Africains ne savent pas. On reprend encore un peu ces mêmes choses-là. Et pourtant, au début de ce que nous appelons aujourd'hui l'Union africaine, nous le dirons plus tard, qui a commencé en 2002 à Durban, en Afrique du Sud. Tout cela a commencé avec les gens qui n'étaient pas des Africains de sang, disons de naissance, soit qui sont nés dans la diaspora ou qui ont vécu ailleurs, mais ce sont eux qui ont commencé avec cette idée, évidemment, de parler de l'Union africaine ou de l'unité africaine. Those first African fathers, Pan-African fathers, were not originally, they were Africans, but Africans in the diaspora. So in this sense, we cannot say that they're from the African soil. So those were the first founders in African diaspora. Alors, ici, nous l'avons déjà dit, et c'est parti dans l'idée d'une personne. Si on doit parler des gens, évidemment, qui ont commencé cette idée ici de manière claire et nette, c'est Kwame Nkrumah. C'est pourquoi nous disons qu'il est parti de lui, de son idée, de son impact, et puis il a associé les autres. Et c'est là que nous avons dit, vraiment, si nous devons situer ce qui a commencé en Afrique du Sud en 2002, nous prenons vraiment la part en 1958. C'est là qu'on appelle le premier pas d'une personne. Et juste à l'unité africaine que nous avons aujourd'hui comme rassemblement ou l'unité des pays, association. So everything started from one person, Kwame Nkrumah, then to multiple of people, a collection of people in 1958. So that is how the history started from one person to a collective people. Voilà, nous commençons avec le 15e chapitre qui parle évidemment de l'unité africaine. Et
La première question que nous avons trouvée, bon, elle n'est pas clairement posée dans les propos de Kwame Nkrumah, mais nous avons décelé cela pour savoir qu'est-ce qui sépare réellement les Africains. Avant de parler de l'unité, on suppose qu'il y a quelque chose qui sépare les Africains. Et alors, Kwame Nkrumah le dit que l'Afrique ne doit pas prétendre à l'unité parce qu'elle manque trois éléments moteurs de l'unité. Ce n'est pas lui, mais il a constaté que ce que les autres disent, ces trois éléments sont la même race. Les Africains n'ont pas la même race, ils n'ont pas la même culture, et les Africains ne parlent pas la même langue. Et ça, il a raison. Voilà que maintenant, là, nous devons faire un parle en français, un autre parle en anglais. Il y en a qui sont en Angola qui parlent portugais, ils ne peuvent pas nous entendre. Il y en a qui sont en Guinée qui parlent espagnol, ils ne peuvent pas nous entendre. Et voilà, même quand nous entrons dans ce pays, là, à l'intérieur, c'est pas tout le monde qui parle anglais, c'est pas tout le monde qui parle français. C'est déjà une difficulté vraie. Donc, nous n'avons pas la même langue, nous n'avons pas la même race, nous n'avons pas la même culture. Chapter 15 speaks about African unity. In this chapter, Kwame Nkrumah is saying that Africa has no right to claim that she is united, because to be united, you need three elements, which is same race, same culture, and same language. But these three elements, it seems that Africa is lacking them, so we cannot actually say that we are united. Voilà, c'est ce que nous disions même, c'est, nous l'avons déjà même dit dans la diapositive qui est passée. Il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent anglais, qui parlent portugais. Et des millions d'Africains ne savent pas se mettre ensemble pour parler la même langue. Et je pense que l'élément moteur le plus important, aujourd'hui, il y a déjà des pas qui se font au niveau du continent. En voulant adopter le swahili comme une langue commune, je pense que ça serait un pas de plus. Si, il y en a aujourd'hui qui peuvent se glorifier d'avoir laissé cela au pays ici, mais l'idée était déjà en Kwame Nkrumah. C'est évidemment parmi les choses qu'il a cherché à avoir comme des éléments qui peuvent nous venir à faire un pas de plus vers l'unité africaine. Et le deuxième point, c'est le regard. Il avait un regard positif vraiment, lui, vers l'unité de l'Afrique. Malgré ces situations-là difficiles, évidemment qu'il les reconnaissait, mais Kwame Nkrumah avait un regard positif sur l'avenir de l'Afrique. Et il le dit, malgré tout ce qu'il y a, mais lui avait été persuadé que les forces qui les unissent sont plus fortes que, c'est pour la technologie, ces avantages-là sont majoritaires, et quelque peu des choses qui peuvent le diminuer, qui peuvent faire que l'Afrique ne soit pas unie. Apart from the weaknesses we have, the different languages, how the colonizers divided our people into nations, Kwame Nkrumah still has a positive view of African unity. So he says there are more things that unite us than the things that divide us. So let us build on the strengths without minimizing the weaknesses. Let us build on what unites us, which are strengths, and then work on our weaknesses. Alors, comme vous voyez ces mains ici qui se lient les unes aux autres, c'est en fait, ça représente l'idée qu'avait Kwame Nkrumah de voir les Africains se soutenir comme ça les uns les autres. Et il parle de personnalité africaine. Lui disait qu'il était très content, il était impressionné même partout où il passait de voir que les Africains avaient beaucoup de choses en commun. Ceux qui ne s'étaient jamais rencontrés, qui ne s'étaient jamais vus, mais ils voyaient qu'en eux, ils avaient beaucoup de choses en commun. Et ce sont ces choses-là, entre autres, cette identité-là, le fait de vivre ensemble, de partager la joie, ils voyaient que c'était déjà des pas vers cette unité-là que lui pensait. Le mieux est de dire que j'ai le sentiment de notre unité en tant qu'Africain. En termes concrets, cette unité profonde s'est manifestée par la naissance du panafricanisme. Et c'est ça même, je peux dire, son credo. Il pensait à cela, le panafricanisme. Que nous, peut-être aujourd'hui, nous connaissons mal ou que nous semblons négliger ou que nous prenons notre manière. He's saying that Africa has a personality, and this personality can be summed up in this pan-Africanism. And he says he's always amazed when how much he sees in common in the African people. So, personality, which is pan-Africanism, is a good feature of the Africans. Alors, Kwame Nkrumah est clair, l'idée du panafricanisme n'est pas sienne. Il l'a trouvée chez d'autres qui avaient le sang africain, évidemment,
qui ne sont pas nés en Afrique, mais qui étaient des écrivains qui ont grandi ailleurs, qui sont nés ailleurs. C'est entre autres Webb Dubois et Sylvestre Williams. Ce sont ceux-là chez qui il a pris vraiment l'idée du panafricanisme. So he acknowledges that he took this concept of panafricanism from others who studied before him, such as Bogart Dubois from the United States of America, there's Sylvester Williams. So he got this concept of panafricanism from them. Alors, nous passons, en fait, on a fini un peu les théories là de penser que c'est quoi le panafricanisme qui était seulement au niveau rationnel. Et pour passer à concrétiser cela, les Africains ont commencé à se rencontrer à ce que nous avons appelé les congrès. Et il y en a eu au total cinq congrès qu'ils ont eu. Le premier congrès a eu lieu à Paris en 1919. Le second a eu lieu à Londres. Le troisième a eu lieu à Londres de nouveau. Le quatrième à New York. Et le dernier, le plus grand congrès, c'est celui de Manchester. So passing from theory, Pan-Africanism in theory to concrete, Pan-Africanism in concreteness. So this is where they have the meetings. The first ever meeting for Pan-Africanism was in 1919 in Paris. Then there was the second one in London. There's another one in New York, but the biggest of all is in Manchester, where they had the meeting. Alors, le premier congrès, il y a eu, bon, c'était encore en phase expérimentale, il y a eu lui à Paris en 1919, et il y a eu 57 participants. Et qu'est-ce qui était dit là-bas? Là, au moins, ils ont essayé de penser sur la protection internationale des natifs d'Afrique qui étaient maltraités. Vous voyez, nous pouvons nous situer à cette année-là. L'homme noir, bon, comme on en parlait ici. Mais alors, en tant qu'Africain ou africaniste, si on peut le dire ainsi, ils se sont rencontrés, au moins penser à cela, d'abord la dignité ou la protection internationale des natifs d'Afrique. Voilà. Ça, c'est le premier congrès de Paris. So in the first congress in Paris, there were 57 participants, and the theme was how to establish a law that can protect all native Africans in the diaspora, a law that can protect Africans. Le deuxième congrès, si vous le voyez, l'effectif augmente un peu, de 57 à Londres. Pourquoi ils sont allés à Londres? Parce que le gouvernement français, le premier ministre d'antan, n'était pas vraiment d'accord. Alors, ils ont dit que bon, il fallait changer de lieu. Ils se retrouvent à Londres. Et là, il y a eu encore un peu plus, 113 participants. Donc, il y a eu ce progrès-là. L'idée claire ici, c'est dans une déclaration au monde rédigée après la séance de clôture, il dit que l'égalité absolue des races, l'égalité physique, politique et sociale, voilà un peu le combat qu'ils étaient en train de mener. C'est en fait pour que les Africains soient traités au même niveau que tous les autres peuples du monde entier. C'était ça le premier pas, bien qu'il y ait eu un peu l'augmentation des effectifs, 113, mais cette fois-ci, ils combattaient pour qu'on les traite de la même manière que tous les autres peuples du monde entier. So in the second congress, we see that there is progress in the numbers. From 57 in Paris, the participants, we now have 113 participants. And this time around, the topic was they talked about equality of race, physically, politically, and social equality. How Africans can be equal to other parts of the world. Alors, le troisième congrès, encore celui de Londres, en 1923. Ici, l'idée, c'était de laisser les Africains d'avoir accès à leurs biens. Nous savons que nous avons beaucoup de ressources chez nous, dans les sous-sols et sur le sol, beaucoup de ce que nous savons comme des minéraux. Les Africains n'en avaient pas droit. Cette fois-ci, le troisième congrès de Londres, les Africains ont demandé cela pour qu'ils aient accès au moins à ce que Dieu leur a donné, si on peut le dire ici de manière chrétienne, nous qui croyons encore, ce que Dieu leur a donné comme richesse. Voilà un peu ce qui était dit au troisième congrès à Londres. The third congress, which also was held in London, talked about how Africans can get access to their resources. We have a lot of resources, but as we all know, we don't have access to them. Un congrès encore un peu plus important, cette fois-ci, les congressistes se déplacent, ils se retrouvent à New York. Cette fois-ci, les effectifs augmentent encore de 113, donc de 57 à 113. Cette fois-ci, on a 208 participants. Ici, c'était plus au niveau de la question de justice sociale. Nous savons aussi, nous nous retrouvons, je pense que
c'était choisi aux États-Unis, évidemment, où il y avait beaucoup des Africains. Cette fois-ci, on pensait, ils ont plus réclamé la justice sociale. C'est la justice sociale qui était au centre de cette rencontre, de ce congrès qui a eu lieu à New York. Mais il faut le dire que Kwame Nkrumah trouve qu'il y a eu un peu, le progrès était lent, surtout dans l'application de ce qu'ils étaient en train de traiter. Le progrès était lent. Voilà. Selon le Ford Congress in New York, New York City in America talked about social justice. And even Kwame Nkrumah was saying that the Pan-African movement is slow in progress, how to fasten the progress and then fight for social justice for the Africans. Voilà. Et ici, Kwame Nkrumah trouve que c'est tous ceux qui venaient comme des délégués à ce congrès ici, ils étaient plus des idéalistes. Il n'y avait pas d'hommes de terrain, les hommes qui passaient à l'action concrète. Donc, ils étaient plus des penseurs, des idéalistes que des hommes de terrain ou les hommes pratiques ou quoi, des hommes comme ça. Alors, il y a eu en 1937, ce n'est pas un congrès, mais on dirait un secrétariat, un comité spécial qui s'était rencontré en 1937 pour toujours traiter des questions des Africains. Et le but de cette rencontre ici était de défendre le bien-être et l'unité des Africains et des personnes d'origine africaine dans le monde entier. Il y a eu, évidemment, on a vu qu'il y avait des maltraitances des Africains qui étaient éparpillés au monde et ils ont publié un texte comme ça pour réclamer un peu partout où les Africains étaient encore maltraités, dans les idées déjà des autres congrès précédents. C'est un peu ça, ce qu'il y a eu en 1937. Ce n'est pas un congrès, mais quand même une rencontre comme ça spéciale. Ici, on retrouve plus les intellectuels, les professeurs et les étudiants qui étaient au niveau de la diaspora. Okay, there was another meeting, another effort, which was not actually a congress, but in 1937, there was this meeting also to promote African welfare, African unity throughout the world, promote cooperation between African people and other people. Alors, nous passons au dernier congrès. C'est le congrès le plus important à ma compréhension. C'est le congrès de 1945 qui a eu lieu à Manchester. Ce congrès ici, il est le plus important. Pourquoi? Parce que ici, les congressistes ont trouvé qu'il y avait la nécessité d'avoir maintenant des mouvements bien organisés. Et ces mouvements ici lutteraient pour la libération, si on peut dire comme ça, la lutte pour la libération nationale en Afrique. À ce moment-là, comprenez, Kwame Nkrumah parle du nationalisme. Quand il parle même de l'Afrique, il parle du nationalisme, sans dire que l'Afrique c'est un pays, mais il veut que dans cette unité, la consiste comme un pays, pour que tout le monde soit libéré. Voilà un peu l'idée maîtresse de ce congrès de Manchester de 1945. So the last congress was held in 1945 and was, according to the author, the reader, the student, the most important congress pan-African, because there they talked about, apart from the fact it was well organized, which is what it was there that they had the idea of nationalism, seeing Africa as a nation, which Kwame Nkrumah was pushing for. Nous restons encore à ce congrès ici. Je vais essayer de vous lire ce texte ici en intégralité. Nous l'avons cité tel quel sans changer les mots de Kwame Nkrumah, comme il le dit lui-même. Le cinquième congrès panafricain invite les intellectuels. Ça, c'était la décision finale quand ils se sont rencontrés vers la fin. Le discours de la fin, comme on peut le dire. Le cinquième congrès panafricain invite les intellectuels et les travailleurs de colonies à prendre conscience de leurs responsabilités. La nuit est achevée. Ça, c'est très important. En luttant pour les droits syndicaux, le droit de former des coopératives, la liberté de presse, d'assemblée, de démonstration et de grève, d'imprimer et de lire la littérature nécessaire à l'instruction des masses. Vous utiliserez les seuls moyens que vous avez de conquérir et préserver vos libertés. De nos jours, il n'y a qu'une façon d'agir efficacement et c'est l'organisation des masses. So, in this fifth Pan-African Congress, Kwame Nkrumah was calling on all the intellectuals, was inviting them, telling them that the night is over. It is now time for Africans to come together, to form cooperatives, to form freedom of press, to print and read literature necessary for the instruction of the masses. So the main thing is, the night is over. Let us all work together. Alors, nous restons toujours à ce congrès ici.
Et l'essentiel ou le but de ce congrès ici étant cerné et former les masses, pousser les autres à lire, au moins la formation intellectuelle et culturelle, être en mesure de lire et comprendre. Alors, ils arrivent à avoir ce but ici que je viens de, qui a été dit, l'indépendance nationale menant à l'unité africaine. Donc, c'était ça le but. Je reprends encore, comme je l'ai dit au départ, l'indépendance nationale que l'on parle comme Kouma ici. Comprenez, la nation, ce n'est pas comme un pays, mais l'Afrique en entièreté, qui voulait que tout le monde soit libéré comme une nation et que les Africains se sentent comme un peuple d'un seul pays. Voilà un peu l'idée que j'ai pas encore, qui ressort encore de ce congrès ici de Manchester. So what we can sum up, the summary of the fifth congress in Manchester is national independence, which should lead to African unity. So this is the whole goal, the goal of that congress. Alors, nous arrivons à l'idée très importante. La différence qu'il y a entre les cinq congrès, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième congrès sont très différents ou divers du cinquième congrès, le dernier, celui de Manchester de 1945. Pourquoi? Parce que les quatre premiers congrès, ceux qui y participaient, c'était des étudiants africains ou soit des africanistes, les gens qui parlaient au nom de l'Afrique, qui sont nés aux États-Unis, qui sont nés en France, qui sont nés en Angleterre et ailleurs, qui n'avaient pas la réalité africaine, qui n'étaient pas des hommes de terrain, un peu comme nous l'avons dit à l'introduction. Et au cinquième congrès, ce sont les Africains eux-mêmes, majoritairement, qui sont venus de l'Afrique, ils sont venus participer à ce congrès. Ça veut dire que ils avaient vraiment la matière et la réalité du terrain. Voilà pourquoi ce congrès ici avait une dimension encore très importante qui a amené les produits locaux des gens qui vivent sur place. Et ils pouvaient alors être que un congrès le plus important de tous les cinq. So one of the main differences between the first four congresses and the fifth one is that the first four, mainly the participants were Africans who were living abroad, African diaspora. But in the fifth one, it was really Africa themselves who participated and who are now beginning to form trade unions, farmers and students. The majority of them were all Africans. Nous faisons un pas très important vers l'année 1958. Quand vous lisez l'œuvre de Kwame Nkrumah, il retient vraiment cette date-là comme une date de grande importance. Si nous pouvons aller à 2002 pour parler de l'Union africaine, mais je pense qu'avec Kwame Nkrumah, nous pouvons nous situer à l'an 1958. Pourquoi? Parce que en cette année ici, non seulement parce qu'il y a eu déjà des indépendances de quelques pays en Afrique, mais surtout parce qu'il y a eu une rencontre des Africains qui sont rencontrés à Accra, au Ghana. Et cette fois-là, il y a eu des délégués, plus ou moins combien, 62 organisations nationalistes qui sont rencontrées à Accra pour parler des affaires de l'Afrique. Vous voyez déjà, nous avons quitté Paris, nous avons quitté Londres, nous avons quitté New York, nous avons quitté Manchester. Maintenant, nous nous situons sur le sol africain. Voilà un peu pourquoi cette date ici est plus qu'importante pour l'unité africaine, l'Union africaine, ou pour la mémoire de l'Afrique par rapport au panafricanisme. The date 1958 is a memorable year for African unity. Not only because at that period, African states were beginning to get independent, but also because that was when 62 nations of Africa gathered in Accra to talk about Pan-Africanism. Toujours sur la même date-là, quand ils se sont racontés de quoi ils ont parlé, Kwame Nkrumah a dit qu'ils ont parlé de la libération et de l'unification totale de l'Afrique. Donc, à travers cette rencontre, alors en étant sur le terrain, tous les pays de l'Afrique tendaient alors vers une unité réelle, vers l'unification. Voilà un peu le but de cette rencontre ici de 1958 à Accra, au Ghana. So that meeting, 1958 in Accra, Ghana, the goal was to talk about Africa total liberation, African unification, and all that. Alors, depuis cette rencontre qui a eu lieu à Accra, au Ghana, il ne s'est passé pas une semaine, un mois ou une année sans qu'on entende que dans tel coin au centre, à l'ouest de l'Afrique, au nord,
il y a eu quelques Africains qui se sont rencontrés pour parler des affaires de l'Afrique. Voilà un peu. Donc, la date de 1958 reste une date mémorable pour nous parce qu'à travers cette date-là, il y a eu maintenant au moins les libertés d'expression des chefs ou les responsables des institutions nationalistes qui ont commencé à se rencontrer pour parler de l'Afrique. We can say from that meeting in Accra in 1958, from that meeting, a lot of the news spread all over Africa. There was a lot of talk in Africa about Pan-Africanism. People became more aware, more vocal, more powerful. Voilà. Et je pense qu'avec cela, nous avons fini le chapitre premier, plutôt le 15e qui était pour nous le premier. Et alors, avant de passer au chapitre suivant, Kwame Nkrumah nous laisse quand même avec une inquiétude. Pour lui, on peut parler de l'Union africaine. Ce ne sera que quand l'unité politique parfaite aura été obtenue que nous pourrons célébrer la fin triomphante de la lutte panafricaine et des mouvements africains de libération. Donc, il reste quand même sur une soif de voir que cela soit encore réel. Il y a eu des avancées, il y a eu des pas, il y a eu des rencontres, mais ce n'était pas encore ce qu'il pensait ou ce que tous les autres Africains rêvaient, que ce soit vraiment un bloc, une unité pour faire les avancées davantage, construire économiquement, politiquement et culturellement. Yeah, for Kwame Nkrumah, there was still a worry in his mind, apart from the progress he has made. His worry was that it is only when we have perfect political unity in Africa that we can begin to celebrate the triumphant end of the Pan-African struggle. So until we have a perfect political unity, we can never celebrate Pan-African achievement. Alors, nous passons à ce chapitre ici, le 16e, quelques tentatives d'unification. Nous l'avons dit, cette date ici de 1958 est une date très importante. Mais alors, n'oublions pas, Kwame Nkrumah étant bien un lettré, un homme qui a étudié, mais aussi il y a déjà des idées politiques derrière lui. Après la tentative, la première tentative, il a appelé quelques représentants des États d'Afrique ou les organisations nationalistes qui se retrouvent à Ghana, à Accra. Il fait un pas encore plus important. La même année, il appelle le président guinéen. Il se rencontre à Accra de nouveau. Et là, il commence un bloc, ce qu'on peut déjà même parler, le pas maintenant réel vers l'unité, l'Union africaine aujourd'hui, comme rencontre des nations et des pays, la rencontre des chefs d'État. Et c'est lui qui a commencé cela avec le président guinéen, Keïta. Quand il se rencontre, ce ne reste pas seulement entre les deux chefs d'État, mais ça devient une rencontre des ministres, les ministres du Ghana et les ministres de la Guinée. Yeah. In 1958, the date we have always said that is very important for Pan-Africanism. Kwame Nkrumah, not only that he has gathered other 62 nations in Ghana, but he also called the Guinean president and they gathered also in Ghana. Apart from this meeting, there was also the meeting of the ministers also who gathered as we talk about Pan-African issues. Mais alors, quelques temps après, c'est une année après, en 1959, Kwame Nkrumah fait un pas encore de plus. Au-delà du président guinéen, cette fois-ci, il appelle le président du Libéria. Et avec les trois, ils forment maintenant ce qu'on peut appeler Communauté des États indépendants d'Afrique. Si vous voyez, en 1959, entre autres, mon Congo, le Zaïre n'était pas encore indépendant et d'autres pays. À ce moment-là, ceux qui étaient déjà indépendants, qui avaient été libérés, qui n'étaient pas encore, entre parenthèses, sous cette colonisation-là d'antan, ils se retrouvent à trois. Et ceux-ci étaient ouverts à tous les autres pays qui étaient déjà indépendants, dans cette communauté-ci appelée Communauté des États indépendants d'Afrique. Ça, c'est en 1959. In 1959, a year after all the meeting in Accra, Kwame Nkrumah also called the Liberian president. So now they have three: Liberia, Guinea, and Ghana. And then they had a name, a community of independent African states. So that was where they formed that first name. And the union was open to include other African nations who are getting independence on the world.
et c'était déjà le pas très important vers l'unité africaine que nous avons aujourd'hui. Et alors, cette communauté-ci qui est appelée Communauté des États indépendants d'Afrique a essayé de donner quelques règles. Comment ça s'est fait? Est-ce que nous serons seulement comme ça? Mais ils ont donné les règlements, ce qu'on peut appeler règlements d'ordre intérieur de la communauté. Et en lisant Kwame Nkrumah, nous avons fait ressortir six règlements d'ordre intérieur, disons cinq, et puis ce qu'on peut appeler aussi comme leur slogan ou leur visée. Alors, quels étaient ces règlements? Il y en a six. Le premier règlement disait, les membres de cette communauté conserveraient leur personnalité nationale et leur structure constitutionnelle, et chaque membre promettait de ne pas intervenir dans les affaires intérieures d'aucun autre, pour dire que c'est vrai, nous sommes des nations séparées, mais nous avons des choses en commun. Quand il y a des choses en interne, un autre ne va pas entrer pour s'immiscer et essayer de créer des troubles là-dedans. Ça, c'était le premier règlement. So, they formed some rules and regulations. There are six, and the first one talks about the members of the community to retain their national personality and constitutional structure. And each member promised not to intervene in the internal affairs of others. Quelle belle idée dans leur deuxième règlement qu'ils ont eu dans leur règlement ici. Ils se sont dit que la politique générale de la communauté est de construire une communauté africaine libre et prospère, non seulement profitable aux Africains, mais à tous les peuples du monde. L'Africain, c'est la fraternité, l'ouverture, l'accueil et tout ça. Et donc, comme ils savaient qu'il y avait des Africains éparpillés au monde, alors ils ont laissé cette marge-là. Voilà, ça, c'était le deuxième règlement de leur communauté. The second law, or rule, was to build a free and prosperous African community for the benefit not only of Africans, but of the whole world. Et alors, troisième règlement était basé sur la politique. En quoi consistait cette politique? C'est l'entretien des relations diplomatiques et économiques. Donc, l'entretien des relations diplomatiques, économiques et culturelles, si on peut synthétiser ainsi ce troisième règlement. The third one is to maintain a diplomatic and economic cultural relationships between the nations. Quatrième règlement, là, on peut parler de l'objectif, c'était d'aider les territoires africains encore asservis à conquérir leur indépendance. Nous sommes en 1959. On peut dire que ces trois pays, Libéria, Guinée et Ghana, ont aidé aussi nos autres pays qui n'étaient pas encore indépendants, devenir indépendants, parce que c'était leur visée. Donc, travailler pour la libération des autres pays qui étaient encore dépendants. The fourth goal, rule or law, as we call it, is to fight and help other African nations to be independent. But at that time, 1958 and 59, there were just few or three of them were independent. Cinquième, on peut même parler de dernier règlement, c'est que cette communauté était ouverte, elle n'était pas fermée à ces trois pays, elle était ouverte à tous les autres États qui devenaient indépendants. Donc, mon Congo, quand il était devenu un État indépendant, il pouvait accéder. Vous voyez déjà comment est-ce qu'on était en train d'agrandir l'Union africaine ou l'unité africaine. Vous êtes dépendants. Lorsque vous, les autres travaillent, qui sont indépendants, ils travaillent pour vous libérer de la dépendance. Quand vous devenez indépendant, vous adhérez, vous entrez dans la communauté. So they were open for other African nations to join as soon as they get their independence. So it was not a closed organization, but an open one. Voilà maintenant ce qui était leur devise. L'indépendance et l'unité. L'indépendance et l'unité étaient leur devise. Donc voilà. So their motto is independence and unity, or maybe their uniform. Independence and unity. On fait encore un pas très important pour voir ces trois ici. Quand on peut parler encore de l'Union africaine, au moins dans ses racines, à ses origines, ceux qui ont beaucoup contribué dans la première communauté, il y a ces trois que vous voyez sur les photos. Kwame Nkrumah, alors président du Ghana, Sékou Touré de la Guinée et Modibo Keïta du Mali. So these are the pioneers, fathers of the community, Kwame Nkrumah, Sékou Touré de Guinée and Modibo Keïta de Mali. Alors, avec ces trois qu'on peut appeler protagonistes,
ce n'est plus cette communauté des États indépendants. Maintenant, la communauté change de nom. Ça devient l'Union des États africains. Avec les trois protocoles, donc c'est, on quitte la communauté, mais ça devient l'Union des États africains, et qui se considérait déjà, comme on peut appeler aujourd'hui, le noyau des États d'Afrique. Comme c'est les trois personnes, mais qui était ouvert à tous les autres. Voilà. So even the name has to be changed so that it can actually show the inclusion. So the name now is the Union of African States. To tell you that it's not open to every African nation. Alors, partout où il y a une communauté, où il y a des rencontres, il y a toujours des lois, des règlements. De nouveau, avec ces trois protagonistes ici, Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, ils élaborent de nouveau des règlements. Et ici, il y en a eu beaucoup, mais on essaie un peu de vous lire seulement. On a pris dans leur règlement, on en a pris deux. C'est l'article 3 et l'article 4 que je vais essayer de lire peut-être en intégralité ou en synthétisant ce qui ressort, au moins comme les buts de l'Union des États africains. C'est resserrer et développer les liens d'amitié et de coopération fraternelle entre les États membres sur le plan politique, diplomatique, économique et culturel. Nous l'avons déjà entendu dans le passé. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Au fur et à mesure qu'on fait un pas de plus, on ouvre à d'autres, on maintient les choses en les améliorant. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce qui ressort clairement dans le troisième article. So from the six articles, rules we had before, they summarized them, they made a synthesis of them, Kwame Nkrumah, these three two presidents. So to strengthen and develop the bonds of friendship and fraternal cooperation between member states politically, diplomatically, economically and culturally. Et il est encore un peu plus clair dans le quatrième article où il parle clairement des politiques intérieures de leur union et de chaque pays en particulier et la collaboration avec la politique étrangère de la défense parce qu'ils ne pouvaient pas se laisser quand même abattre tous les jours comme des moutons. Ils devaient aussi travailler de leur défense, de leur économie, de la culture, une dimension à laquelle, si vous avez suivi, une dimension très importante à laquelle tient vraiment Kwame Nkrumah, la dimension culturelle. Et là, c'est là qu'on voit un peu les intellectuels, les étudiants et tous les autres qui se forment pour développer ou défendre l'Afrique à travers leur intelligence, les cultures et autres. So, from the fourth constitution, the fourth number, fourth article, they summarized and synthesized these five points. Domestic policy is their goal, foreign policy, defense, economy, and culture. So, this was the synthesis of that fourth article. C'est ici vraiment, bon, selon Kwame Nkrumah, où on arrive clairement à ce qu'on peut déjà appeler les États-Unis d'Afrique. Parce que ici, beaucoup ont adhéré. Au-delà des perplexités, des pressions, des flatteries, parce qu'il y a eu même des autres qui n'étaient pas d'accord, ceux qui entendaient de loin. Bientôt, on va parler d'une rencontre qui a eu lieu en 1961, mais beaucoup n'étaient pas d'accord. Mais déjà ici, on fait déjà un pas vers ce qu'on peut appeler États-Unis d'Afrique. So, apart from the distractions and what have you, Kwame Nkrumah persisted in keeping the name United States of Africa. That was his main goal. He was not distracted at all. Alors, quand une chose est en train de naître, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, en 1961, il y a eu une autre rencontre à Casablanca, au Maroc. Et à la fin de cette rencontre ici, Kwame Nkrumah a fait un discours, le discours de conclusion. Ce discours-là a fait beaucoup de bruit. Et ce discours-là concernait évidemment sur les choses sur lesquels les autres n'étaient pas d'accord avec les pas vers l'unité africaine ou les États-Unis d'Afrique. C'est en 1961 au Maroc. Et je vais vous lire ce discours. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne vois pas comment les États d'Afrique seraient en sécurité si leur chef, dont nous-mêmes, n'avons pas la conviction profonde que le salut de l'Afrique est dans l'unité. Voyez un peu de ce qu'il dit. Car l'union fait la force, et je le constate, les États africains doivent s'unir ou alors se vendre aux impérialistes et aux colonialistes pour une assiette de soupe ou encore se désintégrer individuellement.
So in 1961 in Casablanca, Kwame Nkrumah made a speech that made a lot of headlines in the African tabloids. And mainly was saying that if Africa to be saved, that we cannot talk about Africa as a salvation if the leaders, they don't have a clear, convinced mind of African unity. Alors, après ce discours ici, il y a eu beaucoup de bruit. Les journaux étrangers ont essayé d'écrire avec chacun avec son opinion. Mais évidemment, il y en a qui voyaient en cela un pas très important vers l'unité africaine, qui n'étaient pas des Africains, mais des journaux des étrangers. Alors que les autres étaient en train de minimiser. Non, d'ailleurs, il n'y a eu qu'une poignée de quelques Africains qui se sont rencontrés. Il n'y a encore rien d'important là qui va se réaliser. So a lot of newspapers, both from and abroad, talked about this speech which he made in Casablanca. Alors, il y a eu quand même quelques sujets très importants qu'ils ont traités dans cette, une autre conférence qui a eu lieu. Je pense que c'est la dernière sur cette liste ici que nous vous citons. C'est la conférence qui a eu lieu à Monrovia. Donc, il y a eu de temps en temps, quand ils ont tenté à Casablanca, quand ils ont vu que ça tient, ils ont invité une autre rencontre qui a eu lieu à Casablanca, où il y avait 27 représentants de différentes nations qui sont retrouvés pour toujours traiter et parler de l'affaire de l'Afrique. So there was another meeting in 1961 in Monrovia, and there were 27 participants, independent nations who participated in it. Alors, nous vous disons en clair les quatre points qu'ils ont traités là-bas. Donc, les moyens d'arriver à une meilleure compréhension et coopération, pourquoi? Parce que ça semblait être encore un peu dispersé. Et alors, on se dit, passons à l'acte. Et là, ils se retrouvent pour parler des moyens, l'unité de l'Afrique et les menaces pesant sur la paix. Parce que, à ce moment-là, ici, vous allez en 1961, c'est le cas. Quand il parle proprement de mon Congo, où Lumumba, à peine premier ministre, qui avait aussi même participé, avait convoqué une rencontre à Kinshasa, mais la zone de Katanga était coupée et tout ça. Toujours les gens qui menaçaient. Il y a aussi l'Afrique du Sud et l'Algérie. Alors, il y a, au troisième point, ils ont parlé de la stabilité en Afrique, toujours dans le cadre de la guerre. Tant qu'il y a la guerre chez le voisin, l'autre pays ne peut pas être en paix. Alors, eux voulaient vraiment que partout ça soit stabilisé. Et finalement, au quatrième point, ils ont parlé de la contribution qu'ils pouvaient apporter à la paix mondiale. Cette paix-là, non seulement qui doit être en Afrique, mais s'il y avait moyen de contribuer dans d'autres pays du monde. Pour notre information, parce que à certaines rencontres, il y a eu l'Indonésie et l'Inde qui ont participé aussi, qui étaient des invités à ces rencontres ici entre Africains. So these are the four points that came out of the meeting in Monrovia. The first, to achieve a better understanding and cooperation. Second one, to fight for Africa's unity and to see its threats to peace. The third one, stability in Africa, to have a jurisdiction whereby we can call back to whenever there is war or dispute. The fourth one, contributing to building world peace. Alors, une autre chose qu'on peut aussi retenir, c'est qui fait que, en dehors de ce qu'ils avaient parlé, ils avaient proposé de construire des chemins de fer, par exemple, pour réunir les différents pays. Il y en a d'autres qui ont été réunis, c'était donc un projet de ces années-là, et d'autres n'ont pas réussi à cause évidemment des foyers de guerre qui étaient dans d'autres pays. Ils n'ont pas pu réunir toute l'Afrique, mais sinon c'était un projet que tous les pays soient réunis par des voies ferrées et par des bonnes routes. Comme ça, ça pouvait permettre les Africains de circuler librement dans d'autres, aller d'un pays vers un autre. So in conclusion, there was also the talk on harmony. Africans to move around freely to have an independent state for all Africa. Alors, après ces rencontres ici, est venu le moment où différents présidents de l'Afrique, des différents ministres ont commencé à se déplacer. Au moins, un pouvait quitter et va rencontrer l'autre dans le cadre diplomatique ou des échanges culturels. Et c'était déjà, disons, au niveau diplomatique, culturel, un pas très important dans l'unité que pensait. So people actually agreed so much. Presidents accepted what Kwame Nkrumah was saying, and there were so many travels they made. Various presidents traveled to meet each other to speak on this African unity and cooperation. Voilà. Ici,
Nous vous avons mis ce tableau ici pour vous essayer de prendre seulement les mots clairs que nous avons retrouvés en lisant ces deux chapitres ici de Kwame Nkrumah. Nous pouvons tout oublier, mais en fait, Kwame Nkrumah parle d'unité, il parle de paix, il parle du nationalisme, il parle de liberté, de développement, de solidarité, de défense et de culture. Voilà un peu quelques mots que nous avons trouvés. So these are some keywords that Kwame Nkrumah, that we can get from Kwame Nkrumah's thoughts. A culture, defense, solidarity, development, freedom, nationalism, peace and unity. Voilà, nous concluons par ici avec une information que nous n'avons pas trouvée dans ce chapitre, mais toujours dans le but de Kwame Nkrumah, de le respect qu'il avait pour l'Afrique. De 1934 jusqu'à 1970, les pays africains ne participaient pas à la Coupe du Monde des droits. Et donc, s'il fallait y participer, c'était un pays qui était invité. Donc, on vous invite pour participer à la Coupe du Monde de football. Mais c'est sous son impulsion que lui a déclaré, demandé, il a fait la demande claire que l'Afrique commence à participer à la Coupe du Monde des droits en participant aux éliminations. Voilà un peu parmi ces gens que nous avons eus, qui nous ont aidés à travailler sur notre unité africaine, à notre unité, évidemment, qui souffre encore, et nous espérons toujours qu'elle sera forte le jour où nous comprendrons nous-mêmes que nous avons la possibilité de l'être. So one of the achievements from Nkrumah, that he got a place for us as Africans in the World Cup. Before 1970, Africa was not participating in the World Cup. So from Nkrumah fought for that. Voilà, c'est par ici, nous avons fini. En vous remerciant, évidemment, pour votre patience, en remerciant donc Daniel qui nous a aidé pour la traduction pour ceux qui nous suivent en anglais. Et de partout où vous êtes, nous vous disons toi, ça qui dit là, bouton dit thank you, accent dit et merci. Voilà. So thank you. Très bien. Allora, ringraziamo Don Cleofas per questa bellissima presentazione e il suo traduttore. Carissimo Don Daniel, davvero ci avete permesso di entrare nel cuore di questi due capitoli e capire la dottrina che il nostro Nkrumah aveva progettato in vista a questo grande progetto per l'Africa, l'Unione, che secondo lui è l'unica via di uscita per poter mantenere la nostra vera libertà, costruire e proteggere la nostra vera libertà, perché nella unione che saremo forti e possiamo difenderci. Allora, ringraziamo voi che avete partecipato e ora la parola è a voi per aggiunti, questione di approfondimento o contributi vari. Ok. Daniel, puoi dire che adesso la parola è a chi vuole fare una domanda, un aggiunto e così via. So, now the floor is open for those who would like to ask questions or clarifications. Cleofas, io all'inizio della presentazione, Nkrumah nel quinto capitolo, no? Parlava di qualche difficoltà per l'Unione. Sì, sì. E ha citato tre elementi che io ho notato qua. Sì. Differenza di razza, di lingua e di cultura. Sì. E, parlando di questi elementi, lui si fa riferimento all'Africa multicolore, o perché se è l'Africa insieme all'Africa, come si dice, del nord, dove abbiamo popoli di origine araba e altri,
Sì, ma si, ma quando applichiamo la riflessione all'Africa nera, non lo so se c'è la necessità di considerare questi elementi come ostacoli. Che ne pensi tu? Allora, leggendo Kwame Nkrumah, lui non parla di penas, quando parla dell'Africa, parla di tutti, anche sia l'Africa del Nord, ma Morocco, no? Se abbiamo detto, no? In 1961 c'è stato un incontro di un grande necessità anche dove hanno avuto quasi tutta l'Africa rappresentata, no? Quindi per Nkrumah non c'è la differenza per dire quelli di Morocco non è l'Africa, no. Per fare quella unità, tra le difficoltà che lui vede, la differenza via della pelle. Ok. Sì, okay. Al nord c'è un altro popolo, ma se dobbiamo rimanere tra noi, si parla di Ghana, Mali, non c'è quella difficoltà, credo. Grazie. Per approfondire questo aspetto, perché comunque bisogna approfondire, è una... un elemento un po' ambiguo a mio parere. Per esempio nel 1853 abbiamo avuto questo documento di Arthur de Gobineau, che era un saggio sulla disuguaglianza dei razze, no? Umane. E in cui lui aveva classificato cioè le persone in tre razze, quella bianca, quella gialla e quelle nere. E nella sua classificazione lui si basava molto sugli aspetti biologici e fisiologici per fare questa classificazione, mettendo i bianchi come si dice alla cima della scala. E qualche anno dopo, circa 32 anni dopo, c'è quello Antonin Firmin di Haiti. Lui pubblicherà un grande documento su questo tema anche per distruggere tutte le teorie che Arthur aveva sviluppato per fare questa classificazione della razza. E il documento che veramente va letto è dell'égalité des races humaines, anthropologie positive. Lì, secondo il suo approccio, lui va oltre, non si deve limitarsi solo su questi gli aspetti biologici e fisiologici per fare una classificazione. La questione della razza è qualcosa di più profonda che aspetti biologici, e quindi sono due documenti da leggere un po' per approfondire questo. Io credo che Nkrumah, se lo ha detto così, si è lasciato un po' trascinare da queste, come dice, da questa ambiguità sul concetto della razza. Va bene, grazie Albertino per questo chiarimento. C'è qualcuno al nostro fratello chiede la parola? Puoi aprire il microfono e... Wachuku, you can talk now. Chimezie, you can talk. Okay, good evening to you all. Good evening. Yeah, I also want to use this opportunity to thank the presenter for today's lecture. Mine is some kind of a contribution and maybe just a question at the end. And where I would like to contribute is mainly when he talked about the Casablanca and Monrovia. You know, I would want to point out that he laid emphasis on the Casablanca Pan-African meeting. It is important to note that when these African states, Ghana, the three founding states, Ghana, Guinea, and Mali, when they started this African Union, as time goes on, some other African countries like Nigeria and other ones gained independence. And when these people gained independence, according to my research, I told you, during my last lecture, that
I wrote a paper on this. Some of the African leaders, these young African independent states, some of their leaders misunderstood the concept of Pan-African that Nkrumah was implying. And this was what gave birth to these two conferences. But these two conferences are important conferences, the Casablanca. In fact, they call them blocks, the Casablanca block and the Monrovia block. And this Casablanca block was led by Nkrumah head that was a radical Pan-Africanist, while the Monrovia bloc was led by Nnamdi Azikiwe of Nigeria. You know, although they supported the idea of Pan-Africanism, but they were not as radical as that of the Casablanca conference. So these conferences, they were like, you know, he mentioned that there were a lot of participants in the Monrovia bloc, but they were separated. That's why the people that were for the Casablanca bloc of Pan-Africanism were not included in the Monrovia bloc, but this Monrovia bloc came as opposition to that of the Casablanca bloc. So it is important to clarify these two issues, that these Pan-African conferences, they were like in opposition to each other. And if you follow it, you will realize that it was in the same year that these conferences were held. But these ones were called Casablanca bloc, but it was held in Casablanca, while the other one, Monrovia bloc, it was held in Liberia. And Liberia, Nigeria, Liberia, they were part of the Monrovia bloc, but they didn't get the total, they were not in line with the mindset of Nkrumah with regard to his Pan-Africanism. So my question would be, with regard to the plans, these Pan-African conferences that were held, you know, from London to Manchester, which was the one that ushered in the continental Pan-Africanism, and the continental Pan-Africanism held in various African countries and led by Nkrumah and the rest. And this, Nkrumah's points with regard to culture, defense, economy, and everything that was laid out. Where are we now? Where are we with regard to this actualization of this this Pan-Africanism or this Nkrumah's idea of United States of Africa? That would be my question. Thank you, Grace. It was basically Congress in Africa. You can change the Congress in the diaspora in London. And it's a bit Christian. What are you in the Africa? Allora, per iniziare, no? Se vediamo, io mi ricordo ancora il mio calendario qua. L'idea era di presentare il passo. Il tentativo dell'unità, e quindi non ho potuto cercare ciò che non è andato bene in Africa, nel ciò che come Nkrumah ha scritto. Ci sono tante cose, anche non si può condividere questi due capitoli soltanto in una ora. Ci sono tante cose che io ho letto anche per me stesso, ma io volevo soltanto sottolineare le cose che possono aiutarci a fare un passo verso l'unità, come è andato all'inizio, ma fino a 1961. Mi sono fermato lì seguendo anche i due capitoli, però non sono d'accordo che tutti i due gruppi, quello di Casablanca e di Monrovia, erano d'accordo. No, anche ci sono altri rappresentanti che sono venuti che non erano d'accordo tra loro, però io volevo sottolineare delle cose importanti che possono aiutarci per l'unità. E poi la domanda. Iniziando con i cinque primi congressi, finora, anche gli incontri dell'Africa, dove siamo ora? Abbiamo sempre le cose, siamo arrivati al livello di ciò che possiamo chiamare il nome l'Unione Africana, no? Gli incontri dei presidenti non è una cosa nuova, si incontrano sempre e ci sono sempre dei progetti, come le ho detto qua, avevano i progetti di costruire ferroviari. Così per l'Africa che non è stato fatto, e quindi ci sono sempre delle cose da aggiungere, da migliorare, e siamo a quel livello lì. Non sono così un politico, non ho la realtà della politica africana, l'economia, e quindi non posso veramente entrare dentro per sapere in quale livello dell'Unione Africana siamo. Non sono veramente un specialista, ho soltanto leggere questi due capitoli per capire le cose che possono aiutarci noi di oggi
à l'unità. E come questo passo è stato fatto all'inizio da Kwame Nkrumah, come lui ha pensato l'unità africana. Basically, he says that he was aware of the two the differences between Casablanca Bloc and the Monrovia Bloc. But his job was to highlight the two chapters, 15 and 16, of the historical origins of Pan-Africanism. And then when it comes to today, he says at least the name, the African Union, we still have it, which can be dated back to that historical beginning. And he's not well vested in political or economic issues. So the African unity was the main goal. That. And then where we are now today, at least the name is there, that there's African Union. I don't know. Grazie Daniel, bravo. Vorrei precisare rapidamente una cosa su questi due blocchi, no? La visione dei due blocchi. Mentre il blocco di Casablanca, come ha detto il nostro fratello Cimesie, il blocco di Casablanca voleva andare subito, voleva realizzare subito l'unificazione di tutto il continente. Subito. E vi ricordo che in quel periodo c'era ancora il presidente egizio Nasser, che era un grande panafricanista. Mentre il gruppo di Monrovia è stato creato proprio per ostacolare il progetto del gruppo di Casablanca, perché la geopolitica internazionale è subentrata anche in questa vicenda e si temeva a livello internazionale, si temeva la linea di Casablanca, la linea di Kwame Nkrumah. E quindi il gruppo di Monrovia è stato costituito proprio per bloccare il progetto dell'unificazione immediata, perché Kwame Nkrumah parlava di una unificazione immediata. Il gruppo di Monrovia ha cominciato a parlare di una unificazione progressiva. Quindi invece di fare l'unificazione continentale immediatamente, quelli di Monrovia dicevano no, dobbiamo fare un'unificazione prima per regione e poi dopo l'unificazione delle regioni andremo un giorno verso l'unificazione totale e continentale. E questi due gruppi si sono ritrovati alla conferenza ad Addis Abeba nel 1963 e i due gruppi si sono affrontati lì. I gruppi si sono, giustamente il libro di Kwame Nkrumah è stato scritto perché c'era già questo dibattito. Quando Kwame Nkrumah è andato alla conferenza d'Addis Abeba nel 63, conferenza convocata dal Negus Haile Selassie, ha distribuito questo suo libro, Africa Must Unite, l'ha distribuito a tutti i partecipanti, proprio per difendere la sua posizione, perché a quella conferenza il gruppo di Casablanca pensava che avrebbe fatto tutto perché l'unificazione del continente si faccia proprio in quel momento e che un governo continentale federale sia creato in quella conferenza di Addis Abeba. Purtroppo l'altro gruppo ha vinto, erano maggioritari, perché ciascuno di loro era contento di essere piccolo presidente, quindi ognuno di loro era un po' geloso della propria sovranità e così via, e hanno fatto tutto per, diciamo, respingere il progetto dell'unificazione immediata. Questo lo volevo precisare. Grazie Prof. Sensei per questi. So you can translate Daniel if you. Okay. Father Sensei has expatiated on these two blocks of Casablanca and the Monrovia, and he says that basically, the Monrovian bloc was formed to mitigate against the Casablanca bloc because Kwame Nkrumah in Casablanca wanted immediate African Union. Meanwhile, in Monrovia, they wanted a progressive African Union whereby you start with the nations at home and all that. But in 1963, in Ethiopia, Addis Ababa, there was the African Union Congress.
And then, unfortunately, the Moravian bloc won because they were the majority. So because the presidents of each country, they were jealous, they were envious, each person wanted his own, you know, nation. So that was how Kwame Nkrumah lost that immediate Union of Africa. Thanks. Hello, now. Yes, please, can I add something? Okay, no problem. Okay, yeah, thank you very much for that explanation and distinction. Although I am quite aware of this case, I just want to, like, to my own opinion, like he said, that the Moravia bloc won because they were majority. And that's why I pointed out earlier that it was because they didn't key into the vision of Kwame Nkrumah. They didn't key into the vision of Kwame Nkrumah. But as a person, with regard to the stage we were as at that time, I think I support the view of the Moravian bloc in the sense that it is a united individual nation that we form a united African nations. But now the problem is that they had hidden agendas behind saying that let us make it progressively. Because they had, if they didn't have an hidden agenda of maybe jealousy, or they were power conscious, or they felt that once they submit to that immediate Pan-African vision, they will lose control of their own individual states. So for me, I supported the idea of the Moravian bloc to an extent, because like I pointed out, it is an individual, united individual countries or nations that will form a united African nations. Thank you very much. You are welcome. Altri interventi? Se no, possiamo chiudere qua, se non ci sono. Allora, l'hai già detto in qualche maniera, donc lo faccio. Allora, di solito alla conclusione si fa una domanda: cosa veramente questo libro ti, quale cosa hai tirato da questa, la lettura di questo libro per la tua preparazione personale, le tue convinzioni e così via? Sì, a livello culturale, ad esempio, no, se io vedo che qualcuno che ha studiato, anche non sapevo dove l'inizio proprio dell'Unione Africana, io non avevo studiato, non avevo letto, ma leggendo questi due capitoli, no? Sì. Vediamo il percorso da 1958 fino al 1961, ho capito almeno qualcosa. Se okay. Posso parlare oggi dell'Unione Africana, che io sapevo soltanto nel 2002 il Durban South Africa, ma oggi lo so, meno che ci sono stati gli africani, i presidenti che hanno lavorato per arrivare a questo livello. Quindi, questi due capitoli sono fatti. Se ho la possibilità un po' di leggere almeno dall'inizio fino alla fine del libro, sì, mi aiuterà ancora di più. Ok. Daniel, vuoi dire qualcosa su ciò che ha detto? Sì, sono d'accordo con lui. Ah, ok. Yeah, because the question was, what did he take home with the two chapters he has studied? And he said that before, he was aware, but he was not so well informed about these two chapters. So reading them was enriching for him. I think that just it. So he has enriched himself to see how these African presidents in the past have come together, the work they have done to get to today where we are. So it's amazing. Okay, thank you so much. Allora, il prossimo chiudiamo qua. Grazie mille una volta di più a Cleo e a Daniel per la compagnia, la traduzione. Ti abbiamo scoperto, e quindi preparati. Sei d'accordo. Il prossimo appuntamento sarà per il 30 marzo, cioè fra due settimane. E quindi tratteremo dei capitoli 17 e 18 su l'integrazione e la neocolonizzazione.
il neocolonialismo. Ok, l'intégration et néocolonialisme. Elle sera présentée par Edward Johnson. Et quindi, grazie una volta per la vostra presenza, attenzione, contributi. E ci diciamo Hotep. Non so se Tony ha qualcosa da dire. Niente da dire. Allora, molto bene. Take place on Friday. Okay, ciao a tutti. Mesi Alejandro. Ciao. Mesi Tuale. Tuale. Buona serata a tutti. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Grazie, Cleo. Grazie a voi tutti. Ciao, grazie a tutti. Grazie, grazie.